depuis 2006 quand j'ai commencé. Je me rappelle quand j'ai pris mon banquier, on a pris la voiture, on est parti pour voir le premier français que j'allais acheter. Il me dit que vous êtes fou d'aller investir autant de millions de dirhams dans cette région parce que c'était loin. Eh bien, on a fait le pari et on a pu vendre et commercialiser 6 projets sur plan. Et j'étais l'un des premiers promoteurs à aller à Al-Bouazza et croire dans la région. On a pu faire des résidences sous le nom de les villas d'enfants. Il y a eu plein d'autres groupes qui nous ont suivis pour développer la région. Maintenant, on a 67 000 habitants dans le centre de Al-Bouazza et 200 000 habitants dans le grand Al-Bouazza. Ces 67 000 habitants ont besoin de commodités de proximité. So, l'objectif, c'est de satisfaire cette clientèle. C'est pour ça qu'on est parti faire ce projet. Ça, la target de ce projet. Nous, si on vendait le français en lotissement, ça serait plus profitable pour notre groupe. Mais on a choisi de faire le risque et on a bataillé pour avoir nos autorisations et pour que les brands nous suivent dans ce projet. Si on va à Al-Bouazza, la région où je suis, on doit être en CSPA. Parce que si on achète un appartement là-bas, on achète une villa, on a besoin de 2 voitures. Il n'y a pas de transport commun. So, on se positionne directement à CSPA. Le revenu moyen sur la grande d'Al-Bouazza, il est de 42 000 dirhams annuels. C'est parmi les gros moyens qu'il y a au Maroc. Et Al-Bouazza représente 46% de moyens dans la grande région de Nouassal. So, c'est pour ça que moi j'ai cru dans la région et alhamdoulilah, les gens nous suivent toujours. C'est difficile de convaincre les franchises pour venir. On n'a pas pris de pas de porte et on loue à des prix très 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 raisonnables. C'est mieux s'ils louent chez nous d'aller acheter parce qu'ils ne s'engagent pas sur des financements énormes. Prenons Carrefour, quand il a ouvert en juillet, ses expectations en chiffre d'affaires, il a fait 2,5 fois le business plan qu'il a fait au début. Et on a vu, et quand les autres brands ils ont ouvert, c'est la même chose pour Quick, pour Pans, pour Cosmos. On a Vinizia Ice qui l'a ouvert aussi, Pizza Hut. On attend CHPAC qui va ouvrir incessamment et d'autres brands qui vont s'installer. Alhamdoulilah, on a commercialisé 90% du projet avant l'ouverture. On n'a pas eu de problème de commercialisation.